voilà ce que tu auras à apprendre au cours de cette séance de travail. Définir courant continu et courant alternatif. Identifier un générateur de courant continu. Identifier un générateur de courant alternatif. Comprendre le fonctionnement d'un oscilloscope numérique. Identifier la courbe d'un courant continu. Identifier la courbe d'un courant alternatif. Activité de mise en train. Électricité ou courant utile en pile dans yon société. Nous gagnons électricité courant la caille nous pour nous allumer télévision pour charger téléphone. Dans réalité vivant, nous utilisons deux types courant, courant DC et courant AC. Qui ça un oscilloscope lui-même lié. Un oscilloscope ou oscillographe, c'est un instrument qui permet que nous capables voir signal électrique qui forme que on définit comment yo varier pendant temps. Qui sens courant fait? Si nous prenons pile qui c'est courant DC, il y a là-dedans deux bonnes. Yon bon positif, yon bon négatif. Nan yon pile, courant sorti nan bon négatif lan pou l'aller nan bon positif lan. Nan yon générateur alternatif, courant lui-même li circuler dans tout sens yo. Ça veut dire li ka fait à gauche pour li aller à droite, li ka fait à droite pour li aller à gauche. Activité de compréhension. Nous pral wè sens courant yo avec tension yo. Nous ap rentré dans laboratoire noir. N'a utilisé yon voltmètre. Voltmètre lan a permettre que nous étudier voltage en courant continu. Par exemple, ici voltmètre nous en dit nous que batterie ça, pile ça qui représente courant continu, li gagne 9 volts. Nous mettez yon deuxième pile en série. Voltmètre nous en dit nous ça fait nous 18 volts. N'a mette yon troisième pile toujours en série et là nous gagnons 27 volts. Et gardez bien valeur ça yo positif. En nous changer bon yo de position, ça veut dire n'a mette moins nan plus et n'a pété plus nan moins vol maintenant. Et gardez ça qui passait, il dit nous que voltage lan vin négatif. C'est un coup courant t'a fait un sens et puis li vin fait un autre sens. Nous pouvons regarder sens courant alternatif lan avec tension. N'a utilisé toujours voltmètre noir pour les capable permettre que nous voyons voltage lan et
garder sens courant li même li gagne. Nous fait expérience là déjà avec pilio. Nous te wè que nous mettez pilio en série et les que nous fait plus moins dans moins li bay nou un courant qui gen sens li positif. Kon yan ap utilize yon générateur AC, ça veut dire courant alternatif. N'ap mette deux fils voltmètre nou yo nan générateur si la. Gade sa ki passe, courant ap varye. Ça veut dire voltage lan pa rete menm. Voltage la varye de temps en temps. Parfois li négatif, parfois li positif. Parfois li monte, parfois li descend. C'est comme quoi dirais-je que la fait descend en même temps. Activité de fixation. Nous pral wè graf yon courant continu. Pour ça, nous pral utilise yon oscillograph. N'ap tourne nan laboratoire nou. Nous sonje bien que volmèt lan li permèt que nou wè voltage courant continuant. Même jan tout pour courant alternatif lan. Nous pral utiliser un oscillographe. Oscillographe là pral prend signal électrique là, la transformer sous yon graphique cap visible que nous capable voir. Nous mettez plus dans plus, moins dans moins. Et en nous garder graphique qui affiché dans oscillographe noir. Nous voyons bien que courant continuant dans oscillographe là li défini yon ligne droite. Yon ligne droite qui parallèle avec axe abscissio. Donc oscillographe là permet nou wè courant sans qu'il gagne pour qu'on y a là li positif li en lè li nan 27 volts. An nou chanje yo de position pou nou wè sa k ap pase. Nan volmèt nou an nou wè kouran nou an li vin négatif. N'ap chanje osiograf lan pol. N'ap mete moins lan kon ya nan plus et plus lan nan moins. Gade sa ki pase tout. Volmèt nou an di nou, osiograf lan di nou ke kouran kon ya la li vin negatif. Se tankou li chanje sens. Li ta fè a dwat pou la la gòch, se tankou kon ya li tourne a gòch pou li ale a dwat. Regarde la deuxième partie de cette vidéo pour la suite de cette séance.